Précédemment, dans Alan Wake, j'ai écrit une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zane dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zane, Thomas Zane. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond. Et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. C'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Je ne savais pas si je pourrais m'en sortir sans antalgique. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. La veille, j'avais été invité dans une émission pour parler de mon dernier livre. Si tout s'était passé comme prévu, l'émission avait été enregistrée. Messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Carré.
chose. Merci, merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que deux personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Kazay, l'inspecteur du racuir de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Kazay? Mais où aviez-vous la tête, bon sang? Bon débarras. Non, sérieusement. 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflétera ce changement de cap. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distrait pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Kazay est un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique? Oui, c'est vrai, les amis de Kazay. Avec Kazay, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme est ma muse. Félicitations, nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle? Bien. Hé, hey, chérie, tu as regardé l'émission? Je n'ai pas dit de bêtises, si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te donne de l'aspirine? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? Retourne te coucher, Alan. Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que t'es arrivée à 7h et que tu t'es quasiment évanouie. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé, quand ce sera fini, on partira tous les deux en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça. Le rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Cold Run Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Bonne chance, Al. On se revoit plus tard. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Cold Run Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice,
comme Hartmann l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Je tuerai votre femme.
Il fallait que j'ouvre la porte.